Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélisère. Et un plaisir, l'autre fois encore, pour nous ensemble, pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtien. Je dis à ce 1er août, nous souhaitons nous toutes passer un bon mois d'août. Et nous souhaitons que le mois d'août soit plus bon que le mois de juillet. Quel est le grand point qui a dominé l'actualité? Gros boucantay prisonnier entre États-Unis et la Russie, président Joe Biden dit c'est une victoire pour la diplomatie. Lancement funérail chef politique Hamas Ismaël Haniyeh après assassinat li nan la veille dans ville Téhéran dans pays Iran. États-Unis sentence pour accusé dans attaque terroriste 11 septembre 2001. Et puis Haïti Port-au-Prince à Paris pour accueillir une nouvelle mission éminente personnalité CARICOM d'après yon annonce président KTPA Edgar Leblanc fils. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore que nous allons développer pour aujourd'hui dans rendez-vous info c'est premier sorti nous pour mois d'août là et puis on l'autre fois encore nous souhaitons nous passer yon mois d'août. Gros nouvelle là, c'est définitivement boucantage prisonnier qui fait entre pays les États-Unis avec pays la Russie. Nous capable ouais que président Biden déjà prend la parole, gain président russe là Vladimir Poutine, gain CNN qui t'a montré que président Vladimir Poutine qui même t'a accueilli avec fleurs et prisonnier. Nous gain gentil Augustin Junior qui gain détail. Today we're bringing home Paul, Evan, also Vladimir. Jodi a, nou menen la kay, Paul, Evan, also Vladimir, trois citoyens américains, yon moun ki gen quatre vet américains. Quatre moun sa yo, te nan prison la Risi injis. Paul, pou presque six l'année. Vladimir, depuis 2022. Evan depuis mars 2023 ak Alsou depuis octobre 2023. Autorité la Risi yo te arrêté yo. Yo te condamné yo nan yon jugement rapide et puis yo te condamné yo pour passer en pile temps en prison sans aucune raison légitime. Reporter journal américain Wall Street Journal Evan Geskovich ak ancien soldat Marine américain Paul Whelan parmi 26 prisonniers qui sorti États-Unis, la Russie, Allemagne, Pologne, Slovénie, Norvège et Biélorussie libéré dans un gros échange entre l'Est et l'Ouest jeudi 1er août 2024 là. Président pays Latiki rapporté 10 prisonniers qui gen là-dedans des mineurs transférés dans pays la Russie, 13 dans Allemagne ak 3 nan États-Unis. Service intelligence Latiki annonce que yo te coordonné gros échange prisonnier sa. Président américain Joe Biden campé bon côté mam fami prisonnier ki libéré yo. Parle sou échange prisonnier yo ak la Risi. Their brutal ordeal is over. Épreuve brutal yo fini. Et puis yo libre. Groupe Liberté la presse. Reporter sans frontières RSF dit yo vraiment soulagé après la Russie fin libéré journaliste américain Evan Geskovich ak Alsou Kermacheva. C'était une épreuve très longue pour tout dé. Nan ka Evan nan, li était en prison depuis 16 mois. Ak sel crime, li était journaliste. Même bagay la tout pour Alsou Kermacheva pour l'autre monde qui libéré yo. Irene Foley. Yon résident Fishtown dit, moi pense que journaliste pa ta dwe janm nan prison pour ça yo fait. Latiki coordonné échange 26 prisonniers entre la Russie ak 7 pays occidental jeudi a nan Ankara. Parmi yo, journaliste américain Evan Geskovich qui était condamné nan la Russie depuis 19 juillet passé ya pour passer 16 l'année dans prison après un jugement rapide pour espionnage. Président Rusla Vladimir Poutine pardonné officiellement 13 moun qui étaient condamnés dans la Russie et qui libéré jeudi a dans cadre d'un gros échange prisonnier ak pays occidental yo. Dans une déclaration, Kremlin remercie gouvernement étranger yo qui étaient contribué dans échange là. Service sécurité fédéral russe FSB confirmé jeudi a que 8 citoyens la Russie qui étaient arrêtés dans plusieurs pays l'OTAN qui gen tout des timoun retourné la Russie dans cadre d'un gros échange prisonnier ak pays occidental yo. Échange prisonnier sa yo c'est plus gros échange qui pas jamais fait depuis après guerre froide là. Après échange là, avion gouvernement Russe là
te quitté te Ankara. Gentil, Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci, gentil Augustin Junior. Gain la presse américaine, notamment CNN, qui montrait président Vladimir Poutine dans Moscou, dans pays la Russie, lui-même qui t'a accueilli et Mounio avec et fleurs. Et nous tendez sans gentil Sodila que yo prend et la justice dans pays la Russie te prend décision pour gracier Mounsayo. Et puis l'autre point cap dominé actualité, gain plusieurs milliers iraniens qui assistaient jeudi à funérailles chef politique et à Masla, dans la ville de Téhéran, dans le pays Iran, et a parlé de chef politique et à Masla, en parlant de Ismaël Haniyeh, après assassinat la veille, il y a un zak que en pile moun lagé sous dos Israël. Et puis, il y a un président turc là, lui-même, Recep Tayyip Erdogan, qui déclarait demain, jeudi, comme journée day national, nan mémoire Ismaël et Haniyeh. Et puis, l'autre point, dans l'actualité, dans la région Moyen-Orient, avec Sandra Lemaire. L'armée israélienne dit li confirmer que chef zèle militaire Hamas la mouri dans une frappe aérienne qui déroulait dans mois de juillet. Annonce Mohamed Deifla vini un jour après assassinat chef politique Hamas la dans une frappe aérienne dans Iran. Assassinat sa yo la cause médiateur américain Qatar et égyptien a couru koumet Jean-Jacques pour essayer sauver en tant que cesser le feu dans Gaza. Hamas, pourquoi faire commentaire sous annonce Israël fait sous la mort d'Eifla? Avant ça, groupe militant te dit, monsieur, t'es survive attaque là. Élimination apparent Ismaël Haniyeh, chef politique Hamas là, avec Deif, deux parmi responsables pire placés, groupe militant, c'est une victoire pour premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dans le moment force israélienne continue à opérer dans Gaza. Après rencontre liée avec responsable militaire jeudi, Netanyahou a déclaré la mort d'Eifla, renforcé principe simple que Israël établit qui sait quel que soit monde qui frappe lui, l'a frappé autour. Cependant, assassinat a créé une situation tête chargée pour Netanyahou tout. Ça présente la possibilité politique pour ta mettre fin dans la guerre et puis retraiter, en même temps que lui montrer Israéliens que capacité militaire Hamas yo subit un gros coup qui ankylose yo net. Mais assassinat a capable la cause monsieur prend une position plus dure, plus sévère, dans ce qui t'attendait sous cesser le feu yo, et puis insister pour Hamas faire plus compromis. Hamas tout t'a capable endurcir position pâli ou bien vague complètement sous négociation yo. Dans New York, représentant États-Unis à Iran, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, t'es troqué parole puis m'en bouc. Robert Wood, c'est ambassadeur américain dans l'ONU. Israel has a right to defend itself against attacks from Hezbollah and other terrorists. Il dit Israël a droit de défendre les contre-attaques Hezbollah et les terroristes. C'est précisément ça qu'il a fait 30 juillet. Il a répondu pourquoi l'attaque 28 juillet Hezbollah a été lancée contre Majdal Shams, côté 12 Timoun Mouri. Moi, je vais faire remarquer tous les États-Unis pas participer dans la réponse Israël dans le Liban 30 juillet. Ambassadeur Wood précisait tout que États-Unis pas ni au courant ni participé aucune façon dans la mort apparent leader Hamas Ismaël Haniyeh. Ambassadeur iranien dans l'ONU Amir Saïd Iravani dit frappe contre Haniyeh pas tap ka fait sans aide États-Unis. The responsibility of the United States as a strategic ally. Les dix responsabilités États-Unis à allier stratégique li à principal supporteur régime israélien dans la région, c'est un bagage nous pas gagné dans le cas de crime horrible ça. Zaksa patapka déroulé sans autorisation à support renseignement États-Unis. La Chine avec la Russie condamné frappe qui touillait leader Hamas là tout. En pile pays, il y a sauté dès que assassinat a capable déclencher une confrontation directe entre Iran et Israël si Iran tire revanche. États-Unis et l'autre pays ont essayé d'empêcher le conflit à propager plus. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Et puis, dernière nouvelle, là, comme nous t'ai dit déjà, gagné et président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui lui-même déclaré demain vendredi comme Day National
Et donc, pour nos mémoires, et Ismaël Haniyeh, donc chef politique Hamas, qui mourit à cause de ce tendel là. Et puis, Hezbollah tout qui a avoué qu'il a lancé dizaines d'attaques à roquettes dans notre pays, Israël. N'a pas quitté la région Moyen-Orient, n'a pas venu ici aux États-Unis, côté nouveau sentence, nouveau entente sous accusé dans l'attaque 11 septembre 2001. Valérie Saint-Louis, gain détail depuis New York. Département Défense Santé dit hier mercredi que Khalid Sheikh Mohamed, qui était accusé comme principal comploteur dans l'attaque Al-Qaïda en septembre 2001 sous pays États-Unis, était d'accord pour plaider coupable. Une résolution qui était prend en pile temps pour te délivrer décision ça sous une attaque qui était changé histoire pays États-Unis ak en pile l'autre côté dans Moyen-Orient. Accusé à lui-même avec deux autres complices li yo, Walid Ben Attash et Mustafa Al-Hafsawi, gen pour yo plaider coupable devant une commission militaire dans base Guantanamo Bay dans pays Cuba aussitôt que semaine prochaine. Officiel Pentagon yo te refusé publier conditions négociation qui vinn bay décision ça. Journal de New York Times qui citait officiel Pentagon yo, sans que yo pas identifié yo, te dit que conditions ça yo inclut façon que yo te kembe messieurs yo depuis longtemps, ça qui épanier yo risque pour yo ta prendre sentence peine de mort. À quoi les États-Unis ak messieurs accusés yo pour yo entrer dans yo entente pour yo plaider coupable rivé après plus passé 16 années après que poursuite légale yo te commencé sous attaque Al-Qaïda ça. Ça arrivé plus passé 20 années après que militant Al-Qaïda yo te prend en otage avion commercial yo pour te écraser yo dans building yo. N'a rappelé que attaque ça a touyé presque 3000 moun et puis déclenché la guerre États-Unis contre extrémistes militants yo qui t'ai changé figi pays Moyen-Orient et puis tout changé de plusieurs façons vie société américaine. Khalid Sheikh Mohamed, c'est prisonnier qui pique connu dans centre détention qui dans Guantanamo Bay à Cuba. N'a rappelé que prison ça a été établi dans l'année 2002 laissé par président américain George Bush pour loger suspects militants étrangers après attaque 11 septembre. Yo. Population en dedans prison a grandi vin rive dans Pikli avec à peu près 800 prisonniers avant que le commencé vin diminuer. Jodi a c'est seulement 30 prisonniers qui étaient en dedans prison Guantanamo Bay. Interrogation Khalid Sheikh Mohamed yo te sujet à investigation depuis longtemps. Yon rapport comité intelligence Sénat en 2014 sous utilisation technique qui relait waterboarding là que agence CIA yo te appliqué sous suspect yo qui c'est une technique pour torturer yon suspect pour faire le dépaler côté que yo marre suspect là sous une planche yo couvri bouche ak neli et puis yo vide de l'eau sous tête li. Rapport a te indiqué que technique ça ak l'autre technique interrogation améliorée te fait sous Khalid Sheikh Mohamed au moins 183 fois. Bon côté parle Terry Strada, président association nationale du groupe famille victime qui relait 911 Families United. L'élite étant des nouvelles sous quoi qui t'est faite pour accuser au plaidé coupable, l'été répond présent dans le tribunal fédéral Manhattan pour assister une audience qui t'est déroulée sur une plusieurs procès civils qui t'est faite sous Kassa. Terry Strada te dit que en pile dans famille victime yo, t'es juste voulu ouais messieurs accusés yo admettre que yo coupable. Mais que l'autre famille victime qui eux-mêmes pensaient que t'as doué bail accusé ça yo peine de mort pour VOA Creole. Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie. On a prêté toujours ici aux États-Unis hier 31 juillet. C'était un gros jour pour Association nationale journaliste noire qui était lancé congrès annuel dans Chicago, dans l'État Illinois. Mais événement, ça a provoqué parole en pile sous réseaux sociaux, même gens sous terrain. Et dès que vous avez annoncé Donald Trump, candidat pour poste président pour parti républicain, et bien, il a pour te prendre la parole dans la journée. Obed Rémy. Obed Lamy plutôt t'es sous place. Hier mercredi 31 juillet, c'était un gros jour pour Association nationale journaliste noire qui t'est lancé congrès annuel dans Chicago. Mais événement ça créé en pile controverse sur réseaux sociaux et souterrain dès que t'es annoncé Donald Trump candidat pour poste président, t'es gain pour prendre la parole dans journée. Vers 11h du matin, plusieurs dizaines de monde ont été mobilisés devant l'hôtel. I've seen a couple people are spreading this myth that Donald Trump. Moi, j'ai un peu le monde qui a gagné menti ça pour dire Donald Trump ses amis mon noyau. Moi, pas quoi parler ça même pour une seconde, parce qu'il était président pour 4 ans et pendant ça, il pas fait rien pour mon noyau. Mais sur l'autre bord, quelques supporters Donald Trump t'es venu faire des voix autour sous béton. M'a suivi Trump depuis 2020 et m'a toujours supporté. Malgré nos plusieurs activités, moi campé derrière lui à 100% et n'importe politique qu'il veut établir les tourner sous pouvoir. This is my eighth event that President Trump has. Ça fait 8e fois m'a participé à un rassemblement pour Trump. À la vérité, dès pour faire expérience participer une fois, ou pour propre tête pas. Pas gain aucun racisme par bon côté nous
tout le monde qui est dans l'événement Trump, c'est un coup de famille. Nous avons eu la chance de parler avec Ricky, un activiste local qui est venu dans la manifestation avec objectif pour convaincre les partisans Trump pour changer l'idée. So, I mean, obviously, nous avons une élection qui vient là dans moins de 100 jours et nous tous devons participer. Sinon, nous avons été derrière. Ce qui a passé là dépassé la politique. Nous voulons que nous voyons exactement la déclaration que Trump a fait. Je montre même à monde qui sont partisans Trump, qui peut-être pas trop avant ça. Yo ka toujours pas quoi c'est vrai, ou sinon, dis-nous retirer parole dans le contexte. Yo. Mais moi pense, plus gen moun ki wè parole sa ou Donald Trump te répété, plus ap gen chance pour yo pas supporter l'encore. Oubed Lami, pouve ou à Creole depuis Chicago. Dans l'occasion, ça fait que l'ancien président Donald Trump, qui est candidat pour le Parti républicain dans l'élection novembre, qui te font croiser avec un journaliste noir et ça mettait l'actualité électorale dans l'autre point, côté que Kamala Harris, qui est candidat pressenti pour le Parti démocrate là dans l'élection novembre, lui te répond, président, ancien président Donald Trump, sous question origine raciale, Jean-Robert Philippe, Abdino Plus. Ancien président Donald Trump qui prend la parole pour la première fois dans la Convention nationale journaliste noyau dans Chicago soulevé question sur identité raciale vice-président américain Kamala Harris pendant une interview li ba yon groupe journaliste noir mercredi tantin GIA. And she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black. Moi pas connais si c'est indien ou bien si c'est noir. Donc moi pas connais que le noir. Ça fait quelques années d'Elvin noir. Je dis à livrer tout le monde reconnaître lui comme noir. Candidat a répété même parole groupe droite à conservateur a fait dans les médias sociaux pour simuler fausses informations qui questionnaient identité raciale vice-président Kamala Harris. Kamala Harris, qui a participé dans une rencontre dans Houston, État Texas, répond à l'adversaire là qui accuse comme quoi il a changé l'identité raciale pour avantage politique. Kamala Harris, candidat pressenti Parti démocrate là, déclaré Donald Trump spoke at the annual meeting of the National Association of Black Journalists. And it was the same old show. Après-midi, Donald Trump t'a parlé de l'identité raciale moins. Eh bien, c'est même vieille parole division avec manqué mon dégât. Peuple américain mérite mieux. États-Unis mérite un président qui pas répond à hostilité, à colère, les en face la vérité. États-Unis besoin d'un président qui comprenne différence qui existe entre nous, pas de division. Yon moun qui laisse lier, qui identité, c'est une décision personnelle. C'est une insulte pour n'importe monde que l'issue un ancien leader. Que les séions ancien président, c'est dérespectant. Nous devons respecter nos Kamala Harris là. Point final. Leader yo n'a pas si républicain mandé parlementaire yo pour yo éviter lancer attaque personnelle contre candidat parti démocrate là, mais concentrer yo plutôt sous position politique li. En réponse, Donald Trump continue à utiliser insultes personnelles contre Kamala Harris. Pendant qu'il fait connaître, l'a ignoré conseil pour diminuer l'attaque. Pas gain rien cap ferme gentil avec lui. Ça, c'est déclaration Trump fait devant un groupe supporter pendant une campagne électorale. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Donc, t'as qu'on dit le 2024, là, son année électorale ici aux États-Unis. N'a pas quitté l'actualité, là. Ici aux États-Unis pour aller en Amérique du Sud, puis précisément en Venezuela, côté que le président Nicolas Maduro mandait tribunal Cour suprême, non, pour lui qualifier déclaration opposition en fait, pour lui dire, lui remporter élection devant candidat gouvernement. Marie-Luce Pierre dit nous, communauté internationale, lui-même, lui mandait transparence dans l'élection qui se passait là dimanche, avant que il reconnaisse vainqueur en parlant de Nicolas Maduro. Marie-Luce Pierre. Que el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos. Président vénézuélien Nicolas Maduro te dit mercredi 31 juillet, Parti Socialiste a paré pour présenter toute quantité de votes dans l'élection qui se déroulait dimanche et il mandait tête tribunal pays pour assurer toute partie fait même bagaille là. Maduro déclarait
del Tribunal Supremo de Justicia. Mwen te pote yon apel elektoral kontroverse ki genyen nan lwa organik konstitusyon nan prosesus elektoral la ak nan la Kou Suprem Justice la, ki donk chanm elektoral la nan Kou Suprem Justice la, adrese atak sa kont prosesus elektoral la, tentative kou d'etat sa ki te utilize prosesus elektoral la. Maduro te di tou ke bureau avoka ta dwe rele pati politik yo ak kandida yo pour témoigner dans une enquête sur soi-disant attaque qui était faite sur bureau vote yo bureau conseil électoral national là à attaque cybernétique. Maduro te dit reporter yo mercredi que parti qui sous pouvoir tout paré pour montrer totalité bulletin yo dans élection dimanche là. Maduro te dit reporter yo devant quartier général la Cour suprême dans Caracas, moins jeté tête moins devant la justice, il y ajouté que les disposés pour y reler questionner et mener investigation sous lui. Ça, c'est première concession Maduro t'a fait pour demander plus transparence sous élection 1. Cependant, tribunal suprême n'a bien aligné à gouvernement 1, officiel fédéral lui a proposé justice tribunal là et puis ratifié par Assemblée nationale là qui dominait par sympathisant Maduro. Défi principal Maduro, Edmundo González, avec leader opposition Maria Corina Machado, dit « Nous te joignons plus passé deux tiers bulletins, chaque machine électronique pour voter après bureau vote te fermé. » Nous te dit publication donnée sous compte ça, t'a prouvé que Maduro t'a perdu élection. Maduro a insisté par le reporter que t'a gagné un complot contre le gouvernement là, avec le système électoral là qui t'a piraté. Mais il n'a pas aucun détail spécifique et il n'a pas présenté aucune preuve non plus tout. Il t'a adressé aux médias nationaux à l'étranger mercredi après-midi dans la première conférence officielle qui t'a bail depuis élection. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce et Pierre. Et puis toujours gagner manifestation dans Venezuela, que c'est bon côté opposition, que c'est bon côté et gouvernement Monte Capaboué, et que président Nicolas Maduro qui est dans tête yon coupé membre force armée et avec un pile peuple souverain qui te prend là au souverain ou à créole ou à suivre un programme dans langue créole haïtien. Et oui, ça c'est Jeux Olympiques dans ville Paris dans pays la France. Nous actualité à peine dans pays d'Haïti côté que président conseil présidentiel transition et ben il retournait après avoir participé dans 47e réunion chef d'État avec chef gouvernement CARICOM et il était tout profité dans retourner en parlant de monsieur Edgar Leblanc fils pour annoncer une nouvelle mission personnalité éminente personnalité CARICOM Yves Manuel gain détail. Président Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc fils retourné dans pays après il fin participer dans 47e réunion ordinaire conférence chef l'état et gouvernement pays CARICOM pendant conférence pour la presse qui fait dans salon diplomatique aéroport international Toussaint Louverture président CPTA montré les satisfaits de voyage là. Nous participer pendant 3 jours du 27 à aujourd'hui dans réunion d'abord plénière qui fait tout et ensuite dans caucus entre chef de gouvernement et chef d'État et plusieurs points et à l'ordre du jour. Mais particulièrement, nous profiter de cette participation pour nous raffermir position, relation Haïti avec CARICOM. Réunion ça a été occasion tout pour Haïti renforcer lien diplomatique et engager le davantage dans diverses initiatives régionales. Edgar Leblanc annonçait tout adhésion paysan dans commission réparation CARICOM. À l'Université d'État d'Haïti, il y a un groupe de travail sur le remboursement de la dette de l'indépendance et aussi des injustices faites par la colonisation française. Eh bien, nous profiter dans le cadre CARICOM qui gagnait une commission de réparation pour faire que Haïti vienne membre de la commission ça à travers du groupe de travail
au niveau de l'Université d'Haïti qui a transformé en comité national de réparation. Yon l'autre côté, président CPTA a annoncé yon mission bon côté éminente personnalité CARICOM yo en Haïti sorti 10 pour 16 août c'est qu'a venir là éminente personnalité a là pour superviser l'état d'avancement mise en place organe transition yo. La semaine prochaine du 10 au 16 gagnent yon mission de des éminentes personnalités qui a rentré en Haïti pour toujours continuer de garder avancement qui a fait dans mise en place OK organe pour transition. Pendant événement chef l'état à gouvernement pays CARICOM yo président conseil présidentiel transition te parlé tout sur situation politique pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et puis, moment arrivé pour aller dans pays dans ville Paris dans pays la France avec Jeux Olympiques nous gain sous place Franklin Edward Jadams. Actuellement, il fait un chalet garçon pas campé ici en France, mais ça pas empêcher que Jeux Olympiques 2024 a continué. Ces grands pays qui ont ramassé médailles, tant que la Chine, les États-Unis, la France et j'en passe. Malgré toute potentialité que athlète haïtien a gagné, pour un pile nan yo, yo échoué dans parcours. Alexandre Grandpierre, côté que un pile moun t'est misé sur l'île natation, lui-même tout, il échoué dans parcours. Mais il a expliqué fierté que le gagné, le fait qu'il était représenté la République d'Haïti. For these games, pour Jeux Olympiques, ça, Jeux Olympiques 2024, ça, à Paris, c'est un faux bagage pour Haïti, représenter la donne et pour me représenter Haïti. Tout, c'est un bagage qui est excellent. Depuis sous l'uniforme que nous avons porté, façon que nous recevons nous, équipe. Just a qui travaille avec nous, jouer une invitation, passer par là, surtout dans l'ambassade d'Haïti en France, nous avons passé dans la télévision, déjà retrouvé nous en France, à Paris, pour 220 ans depuis que nous sommes indépendants, c'est un gros bagage, c'est un bagage spécial. Puis si des salines sous moi, nous tous les Haïtiens, fait de la foi haïtienne, flotter, c'est une grosse satisfaction, une vie que nous avons souhaité pour tout le monde vivre. C'est un bagage qui est historique. Because it's history. Naomi Grandpierre, qui c'est entraîneur Alexandre Grandpierre, lui-même bon côté pas lui expliquer si vraiment la République d'Haïti t'a voulu pour décrocher une autre médaille olympique, faut que l'État pays d'Haïti investit plus dans le sport haïtien. Yes. Moi, je crois que pour le peuple haïtien, c'est important pour comprendre comment un athlète peut ramener une médaille pour une nation. Si vous regardez chaque Jeux Olympiques, athlète qui ramène médaille, c'est parce que y'a un pile encadrement, un pile budget, un pile coach. Y'a pas qu'à gagner et autre bagaille dans la tête. Yo, tout est mangé. Yo, everything's taken care of. Yo, maison, yo. Tout bagaille, y'a pas gagner rien dans la tête. Yo, c'est entraînement. Donc, il faut être très et prudent avec nos athlètes, parce que à chaque fois qu'ils viennent aux États-Unis, aux Jeux Olympiques, on dit « Ramène-nous une médaille, ramène-nous une médaille ». Non, on doit beaucoup de choses à faire comme le peuple haïtien pour bien encadrer nos athlètes. Si vraiment, comme le peuple haïtien, on veut ramener une médaille, on doit venir ensemble pour encadrer nos athlètes. C'est pas... C'est... Espoir de nous beaucoup finir, parce que samedi 4-3 août 2024, là, nous avons Maya Chulut, qui a 14 ans, lui-même qui est entraîné par Naomi Grandpierre également. Elle a entraîné en compétition pour Haïti. Peut-être que nous sommes capables de décrocher une médaille. J'ai d'aime ça, Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, Créole. Moi, c'est Jacqueline Bélizère. Bonsoir et à demain.
même si pas Ariel Henry, hein? Les Ariel t'es là, les ministres affaires étrangères, Jean-Victor Généris t'es dit, bah, non? Que tout bagage sous contrôle, l'État ou pour contrôle pays, hein? C'est comme quoi, c'est ça que Edgar Leblanc fils t'a voulu faire comprendre. Monsieur dit, la vie commence à reprendre en nos pays, hein? Et moun commence à casser qu'il est nord, l'ouest, sud pays, hein? Puisque 80 000 timons l'a composé l'examen 9e, jusque là, pas de problème, mais pendant ce temps, il y a des timons en bas la timon qui va aller au même. Est-ce que vous comprenez? C'est parole Edgar Leblanc fils, qui est président conseil transition. Désir, vous avez des nouvelles, frère? La situation plus que 80 000 timons à l'examen et 9e année fondamentale, mais et président conseil. Et là, oublié qu'elle pas mettait ça comme mention. Il y a plusieurs antimonio qui n'ont examen, t'es braqué pendant jour examen, yo, dans tout effet des valeurs qui ont été gagnées dans mes yo, et dans même moment, c'est là. La situation du premier ministre, Gary Coney, il continue d'y adelanter pour question électionnée, il rencontré avec un directeur technique, conseil électoral provisoire, qui pratiquement, il va gagner pour discuter autour, ça qui vient pour Blaise Peterson, avec organisation, préparation, ça qui lie avec question, pour mettre en œuvre, pour mettre en marche, les données techniques pour CEPA, pour essayer jusqu'à ce que vous finissez recevoir ensemble, membre yo cap gagner pour faire partie conseil électoral provisoire. Situation toujours paraît très tendue et difficile dans le département de la Tibonite à cause de la situation insécurité. Il faut qu'on dit tout dans la zone quoi d'émission et ailleurs, t'es gagné un pile coup de balle qui t'a absenté dans l'après-midi. C'est force de l'audio qui a cherché pour contrôle. Situation, c'est même genre tout dans quoi des bouquets, t'es gagné un pile cartouche qui t'a absenté pendant chef gang et 400 maroisois, l'amour sans jour, présenté un dépôt qu'elle gagnait avec un paquet de cartouches et armes qui entrent poser là-dedans. Ça permet à tout le monde à poser cette question. Est-ce que y a vraiment une solution avec problème insécurité qui gagne dans le pays? Mais regardez, ensemble, autorité qui toujours a demandé, bandit, déposer les armes, respecter autorité de l'État et bandit, dans zone pas, fait comme si vous pas attendez sa autorité, a dit, pour demander pour respecter autorité. Divers acteurs a réagi, yo fait quoi? Complot a fait pour craser conseil présidentiel de transition après un gros scandale qui éclatait et entre trois conseillers qui t'a demandé gros l'argent et gagne un conseiller qui déjà sommé président conseil d'administration et BNC à Banque nationale de crédit pour et diffamation qu'elle t'a dit que président et a fait sous lui dans ce sens-là. Donc, il y a pour aborder sans doute totalement éviter, je veux dire, les personnes qui ne parler causer avec nous, qui j'en ai et conseil présidentiel transition, qui j'en ai gouvernement, est-ce que je veux dire, guerre qui éclate, bon côté des militants qui a parlé contre le premier ministre? Ok, qui disait premier ministre qui écrasé conseil pour le vin diriger tant pour Ariel. Nous allons se questionner, nous allons analyser pour nous, est-ce que ça a sous tapis à tout bon problème de situation? Ben, moi, venir avec, rapidement, avec, alors, déclare, intervention, président, Edgar Leblanc fils, Lilon Rampil. Mais là, prends seulement une petite séquence qui parlait de question l'État, et la vie commence à reprendre dans le pays. Ça veut dire que, n'a pas une séquence à l'an, et commence mon émission, mais reste à la quitter pour l'autre émission. Entendez, Edgar Leblanc fils. Maintenant, il faut dire que la situation a évolué positivement, je dirais, dans la mesure où les forces de sécurité nationale, la police nationale et l'armée d'Haïti et les premières opérations déployées et effectuées par la police nationale accompagnée des troupes kenyanes ont permis de reprendre l'hôpital général, le principal centre hospitalier de la capitale et de consolider à l'heure actuelle tout le périmètre de cet hôpital. La vie commence à reprendre dans les rues de la capitale et dans le reste du pays, dans le nord comme dans le sud. La vie a repris quasiment totalement et environ tout le périmètre de cet hôpital. La vie commence à reprendre dans les rues de la capitale et dans le reste du pays, dans le nord comme dans le sud. Bamande Mounio, est-ce que vous la débloqué? Est-ce que vous la débloqué? Est-ce que vous commencez à ce qu'il est en bas de la ville? Puisque nous avons un petit machin qui était allé en bas et marché tabac là, qui t'a demandé pour que vous capable de permettre que vous retournez en bas de la ville. Bon, en tout cas, bakon est ça et président conseil l'a dit à lui. Parce que pas oublier, vous même si en les villes d'accueil, vous
C'est en l'air, il te bat de son abatabil même, non, même. On comprend des yeux. Les gars, pas de même, non. Les gars, ils te vilain là, qu'ils n'ont mis sur des masses, c'est que les gars, pas descend. Même chez les masses, les gars, pas descend. Les gars, pas qu'on est, la ville, les gars, qui reprend, nous commence à psychiquer, hein. Bah, qu'on est si c'est seulement dans le niveau des masses, 60, musso. Et même dans Pétionville, pas de côté dans Pétionville, nous sommes capables de psychiquer. Bah, comprenez. Bless. Ça pas de surprise aux pièces haïtiennes. Parce que vous te connaissez, conseil présidentiel transition, n'est pas de produit haïtienne. C'est job mettre que vous venez faire insécurité a. C'est pour mettre que lié, il y a montré, il y a maquillé pour montrer toute bagarre OK. Ça veut dire parler de Grand Nord. Ça veut dire toute bagarre OK dans département de la Tibonite. Il débloqué, Dieu débloqué Grand Nord, c'est Michel débloqué. Comment? La moi je débloqué toute zone tout et dans zone sud non. La et comment? Et Izo Tibouba, Tibouba. Et Team 103 zombies, bah, qu'on est genre, les pibans de Madiwa, ils ont débloqué aux Zunzao. Ah, monsieur. Blaise, je veux dire, c'est plus bloc qui se cap gagne, oui. L'Ixon, elle, en terre, était en dans base, dans sa vie, première section communale, tirée la Tibouine. Kounia, c'est sous route nationale numéro 1 en sortie, oui. Moi, kafou paye, oui. Presque chaque soir, quel green policier qui n'a commissariat pas choual, qui sous route nationale numéro 1. C'est, disons, dit, oui, qui fait arrêter dormi dans commissariat. C'est approche population qui mettait au bon côté policier qui fait rétéri. On va chaler coup de balle, Dixon et l'en griffé. Comme si vous président conseil, là, par honte, pour c'est ça qui est là pour le monde. Je veux dire, tout le monde qui a mouru dans le périmètre l'hôpital général, c'est sous responsabilité lui. C'est lundi 29 l'an, oui. Premier ministre Guy Koni volé en bas à touche bandit. Mais, directeur général de police en dit non, c'est pas ça le théorie. Dans des désirs. Comme les gars disent, grand sud, grand nord, et moun qui la vie reprend, eh bien, moun me prend machine aller, passer sur le grand sud, là. Moun me prend machine aller sur le grand nord, là. Pas de problème, non, père, et comment? Et président conseil, là, égal, le blanc, fiti, nous. On ne peut pas faire moun yo sa, Blaise. On ne peut pas faire moun yo sa. Pourquoi ça menti nèg la baye, Blaise? Pourquoi ça menti la baye? Mais attendez, son autorité de parler, son président de parler, qui donc, m'baka, non, mais m'ba connaît. Qui là, si moi-même, m'ta gué famim, qui t'a déplacé, m'la, tu attention. Bah, voyez-nous, si nous allons, ça qui veut, c'est pas nous. Pas quoi, n'a pas le bluffé, ça yo, on avance. On a permis de reprendre l'hôpital général, le principal centre hospitalier de la capitale, et de consolider à l'heure actuelle tout le périmètre de cet hôpital. La vie commence à. Aïe, on quitte ça. À reprendre dans les rues de la capitale et dans le reste du pays, dans le nord comme dans le sud. La vie a repris quasiment totalement et environ 80 000 étudiants en 9e année fondamentale ont subi les examens officiels réussis la semaine dernière. Parallèlement, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement mettent en place les organes de la transition pour permettre sur le plan institutionnel, nous avançons vers les élections à la fin de l'année prochaine. D'accord. Pas de problème, monsieur. Pas de problème. En tout cas, bambine avec toi, ça, c'est que ma bien, monsieur. J'espère que tout le monde est en forme. Et... C'est vagabondage dans tout niveau, monsieur. On a qui dit le président, dans l'état que le pays a eu là, c'est ça qu'il a dit. Et. Sécurité commence à reprendre, la vie commence à reprendre dans la capitale pays. Hein? Pendant lundi, tout le monde a constaté, premier ministre Gary Koni, le DG général de la police, obligé à voltiger, machine presque montée sur machine, balle fait la fumée. Dans la même zone, ça, quelle dit la vie commence à reprendre dans la zone APN, zone la ville, un officier kenyan recevoir balle dans l'épaule, et puis la vie commence à reprendre. Et dans la capitale là, dans la même zone ça, ok, la paléa, là, moi, je vous présente quantité cartouche, quantité d'armes qu'il gagne. Hein? Jimmy Cherizier, alias Barbecue, a fouillé trou dans tout espace Badelma, et puis la vie commence à reprendre. Mais n'est-ce tellement pas sérieux? Nous allons venir avec Lumarilvik, Bamgadila, là, Lumarilvik, c'est vous? Bamgadila avec Lumarilvik. Parce que là, Bamgadila avec monsieur, parce que ça, c'est vraiment important. Aïe, passez là, t'as l'air. C'est des oh, t'as l'air déjà, c'est vraiment des sacs passés. Non, là, peut-être l'humain, c'est un qui proche, qui prêt. Il n'est pas caché, moi, hein. C'est ça, moi, dans l'humain, il est là. Depuis que vous avez dit, non, mais qui s'allie? L'éclair. Parce que là, l'humain, où est-ce que vous avez l'humain, il est là? Oui, moi, c'est 5 sur 5. 5 sur 5, mon frère. Merci, c'est un plaisir pour avoir nous. L'humain, là, tu entraînes dans l'émission, hein, parce que pas oublié, ou soit habitué dans le cas déjà. Ma ben, je présente, vous connaissez moi, Désir Venesse. Et l'humain, même, tu nous frères, ou, et gagné.
président conseil qui c'est également mon fils, m'a connu ce que t'attendais et tout discours monsieur fait devant CARICOM. Mais dans cette séquence dans interview monsieur dans discours monsieur, monsieur dit que la vie commence à reprendre totalement dans divers côtés dans pays dans le nord dans le sud. Et qui sorti dans ça autant de ça tout et on comprend de ça. Et nous saluons tout auditeur auditrice qui a écouté nous dans grande émission grand show ça pour nous dire la vérité rien que la vérité et nous jurer pour nous dire la vérité bon même la vie nous en danger bon et nous saluons Blaise Peterson, nous saluons Desi Benes et nous saluons chaque grand haïtien qui a travaillé de nous à travers sept continents et nous saluons chaque grand membre rasso dans quatre pays principalement alliés nous qui c'est